Bandi exam commencé à gâter jouette là. Nèg commencé à mettre mine en domino là parce que jusque là la police t'a bien passé dans commencement année à là. Mais bandi yo commencé sorti tête yo en bas de l'eau, yo commencé à bailler la police traka. Yo commencé à bailler la police problème. Eh ben dans cœur capitale jodi là, nèg exam attaqué un backup la police. Bilan, il y a un policier qui t'a sorti cadavre, il dit monsieur tombé le mouri pendant attaque ça et gon l'autre policier qui lui-même sorti blessé. Dans un premier temps, il est question il était bruit que ben c'est un policier qui était blessé et nèg exam yo bandi yo t'est allé avec l'autre policier. Mais dernière nouvelle qui vient joindre nous là dans salle nouvelle journal 9 semblait deuxième policier qui était dans main bandi yo, monsieur pas vivre. Monsieur fait voile pour payer sans chapeau, bandit au coupé souffle, monsieur. Fanatique Joe Canel, journal 9, ça a passé dans le cœur capital là, dans le cœur Port-au-Prince là. Jodi an là, les nègres exam décidé attaquer yon backup la police dans le capital là, dans Port-au-Prince. Côté que yon policier qui lui-même sorti blessé, Jean Doula, et yon l'autre policier, bandit yon allé avec lui. Et policier yon allé avec là, monsieur relé Dudley Lafont. Monsieur fait partie de 25e promotion police nationale là. Monsieur c'est un agent 2 et policier qui lui-même blessé à monsieur les joli cœur Jonathan 27e promotion police nationale là. Monsieur c'est un agent 1. OK, c'est lui-même qui sorti blessé pendant attaque ça fanatique Joe Canel journal 9 Lendo ça ben nègre même yo commence à sortir tête yo parce que dans 3 derniers jours ça là plusieurs cas de kidnapping enregistrés. Je dis à l'âne des douces, n'a yoté kidnappé Fabiola Dupou-Léger. Après quelques heures, yon libéré. Dans canapé vert, n'a yoté kidnappé plusieurs moun. Dans fermat, n'a yoté frappé, yon tiré. Yon fait fusillade, moun mouri. Je dis à l'âne, yon poté bourré son backup la police. Un policier prend balle, li blessé, l'gèt a chapé pour lui. Mais n'a yoté même, yon allé avec un autre policier que yon ta tué et yon allé à cadavre. Donc là, situation commence difficile parce que la police, te commence à mettre jouet dans mes nèg yo. La police te commence à mettre bonbon chaud dans mes bandi yo. Mais là, nèg yo même, yo décidé mettre koy yo dehors. Yo décidé mettre tête yo dehors et fois ça, la police ta doit rester plus vigilant. La police ta doit redoubler d'efforts, changer tactique pour capable limiter action bandi yo. Parce que là, depuis quelques jours, la police c'est des bonnes notes, bon point. Bon point la police t'a fait. Parce que plusieurs opérations la police a mené dernier jour ça yo, c'est des opérations qui réussit. Et pas facile. Non? Et pas facile pour la police pour opération pour réussir non. Mais depuis commencement année ça là, plusieurs opérations la police fait, c'est des opérations qui réussit notamment dans certaines villes de province. Fratique Joe Canel journal 9. Gemoun qui dit c'est ti monsieur Izoyo qui fait attaque ça. Gen moun ki di se nèg village ki fè pote bourre sa sou bakop la police la nan Port-au-Prince jodi an la kote ke nèg yo avili nèg yo blessé un policier et ont tué un autre. Donc là, est-ce que c'est nèg caché dit fait? Est-ce que c'est nèg village qui fait? Nous même nous pas une précision sur ça. Mais quel village, quel caché dit fait? C'est bandi exam qui mettait de l'eau dans jè policier yo jodi an nan cœur capital là son façon. Son message n'est que vous tout. Son message n'est que vous voyez la police, oui. Pour dire la police, pozo! Façon à avancer la façon à porter bourré la, pozo! Au contraire, action ça, l'État doit motiver policiers plus pour continuer bataille. Action ça, t'as doit motiver policiers plus pour continuer bataille au lieu pour t'a décourager. Parce que n'est c'est dans l'intention ça, vous faites. OK, c'est dans intention ça, yo attaquer backup la police là pour dire hey, nous toujours là. Puis on penser ou remporter bataille sur nous toujours là. De façon pour avoir un message bah la police là, fanatique Joe Canel journal 9, situation elle-même, elle est difficile. Tendez bien, fanatique. Tendez bien. Eh ben dossier président Jovenel Moïse, défunt président Jovenel Moïse. Gen cause oui, rale ti chaise nous parce que commission pas chay. Nous pral faut attendre à des oreilles yo parce que selon maître Maisonneuve, ben c'est pas colombien yo qui tué
Jovenel Moïse. C'est même haïtien qui tuel débat avant que le meilleur arrive et il y a raison de faire au PTG le casser pied. Commission pas chai papa en dedans mettre Maisonneuve. Ce ne sont pas les Colombiens qui ont assassiné Jovenel Moïse. Voilà ce qu'il faut retenir. Effectivement, j'ai entendu des profanes, j'ai entendu des néophytes dire que les Colombiens ne devraient pas obtenir le service d'un cabinet d'avocats. Nous avons critiqué considérablement cabinet Pamnan, le cabinet Maisonneuve et associé, qui était consulté par un Colombien et qui enfin était constitué pour défendre 9 des 18 Colombiens jusqu'à présent qui sont en prison et en Haïti dans le cadre assassinat Jovenel Moïse. Là. Oui, bah, Mabdou, que Mabdou a pression pour te laguer Colombien. Nous, même en tant qu'avocat, nous faisons un travail qui est lié avec profession. Bon, bah, pour nous comprendre, c'est que quel que soit le monde qui est privé de liberté, là, il a droit à service avocat. Même si on est haïtien qu'on allait au Canada, haïtien qu'on allait aux États-Unis, haïtien qu'on allait au Saint-Domingue, on retrouve en difficulté. Mais Bamdo, est-ce que avocat américain, avocat canadien, avocat dominicain, avocat français pas qu'on constitue pour yo? Oui, et ceci, quel que soit reproche que yo adressé à vous-même, ou gain droit à service avocat. Et c'est pas qu'à la plus intéressant, c'est que pas oublier, nous autres, dans l'enceinte du cabinet Maisonneuve associés, nous sommes convaincus que ce ne sont pas les Colombiens qui ont assassiné Jovenel Moïse. Voilà ce qu'il faut souligner. Et j'ai déjà donné les arguments. Le premier facteur montre clairement que Jovenel Moïse n'a pas été assassiné par les Colombiens, c'est la déclaration de son fils, la déclaration de Joverlin. Le fils de Jovenel Moïse, Joverlin, a eu à prétendre clairement que Jovenel Moïse était son père était déjà assassiné bien avant l'arrivée des Colombiens dans la cour de sa résidence privée. Puis il a parlé comme ça, oui. Deuxième facteur qui montrait que ce n'est pas Colombien qui tue Jovenel Moïse, c'est manière de tuer Jovenel Moïse là. Parce que là, on est avocat, il faut avoir une culture générale. L'avocat ne peut tout simplement avoir une connaissance livresque. Allez là. Il faut qu'on me soit dans toute bagaille. C'est ça que je vais apprendre depuis le fait qu'elle fait. Depuis bien avant. Bamdou. J'ai tué Jovenel là. Il a pété gel, il a coupé fémur. Nous, par contre, ça veut dire? Ça veut dire que les gens qui l'ont assassiné sont détenteurs de certaines connaissances mystiques par rapport à la sorcellerie haïtienne. Parce que l'autre, la culture, la tradition mystique par rapport à la caïnou, l'autre, on nous pète gel. Parce que pas biote pété Jovenel, l'autre, on nous pète gel. Les oreilles, on tape tout notre, si on n'a pas initié, si on n'a initié, on tape tout notre, on va aller de l'autre côté. L'oreille, il n'y a pas de kawé. Pour dire oui, c'est Matel Louis qui te fait complot, c'est Ariel Henry. Ou ka comprendre ça me le dit pas là. Eh ben si yo il va kawé, il va kawé à l'identifier mon nom, va essayer moi pour aider identifier mon nom. Eh bien si mon nom tu coupe pied, donc on ka comprendre il pas ka camper. Nous pas une série quartier défavorisé, une série des gazam. On pas l'autre tu un paquet monde. L'autre tu une série frais d'action, on pas ça au fait. Parfois on même bouler au même. Yo kon PTG, yo kon coupe pied bagage etc. Yo kon même pas veulent bail cadavre là. Nous te rappelle ça qui est passé dans village de Dieu. Donc, il faut comprendre ça veut dire. Ça veut dire clairement que on a fait méchamment des Colombiens des boucs émissaires. L'homme de faire de des boucs émissaires là, monsieur, il a fini d'assassiner Jovenel, et puis il a besoin d'échapper à la sanction qu'il a mérité, et bien il a joué un groupe monde, il a gagné chale à sous nous. Pas oublier, c'est important, si je dis, c'est pas vous. Comme nous avons passé, quand vous avez vu Colombien était là en Haïti, Pabli était un juge, instructeur qui était le Noël 6, Roger Noël 6, je ne m'abuse pas.
monsieur avait décerné un mandat d'amener contre Jovenel Moïse. On ne pouvait pas procéder à l'exécution de ce mandat. Il fallait le support des étrangers, et notamment le support des Colombiens. Donc c'est la perspective ça qui fait rentrer là. Alors on pas qu'être imbécile qui pas comprendre. Pas dit que c'est Colombien ou non qui allait procéder à l'exécution du mandat d'amener. Mais aurait Léo, d'après soit allemand de Léon Charles, l'ex-directeur de la police, l'a confirmé pour vous. Il y aurait les Colombiens. Pas même tu vas parler avec parents, tu vas parler avec Colombiens. Toi dis aurait Léo, qui est-ce qui aurait Léo? Eh ben bon non, la police, bon non là déjà oui. Il y aurait les Monsieur assassin, les Haïtiens assassins. Et qui élimine Jovenel là. Il y aurait les Colombiens yo, pour venir faire une bourrade. Pour venir faire une bourrade dans le cas d'exécution et mandat. Mais ce n'est pas comme si nous n'avons pas fini pour tuer, pour être assassiné président. Quand il y a avant que Colombiens rentrent dans la chambre de Jovenel là, ils ont tué. Et puis quand il y a, ils ont pris la chaleur sous deux Colombiens. Mais ça, Tristan Kadza a fait ça, c'est que. Et il y a M. Ariel Henry qui ne voudrait pas que la justice soit faite dans cette question-là. Il y a Matéli qui ne voudrait pas que la justice soit faite dans cette question. Bon, Falnek qui touye, Jovenel, il n'y a pas de lumière faite. Parce que si jugement fait, si lumière faite, en pile, monde a l'encouru. Et femme de tout, vous êtes bon de non ça, oui. Ariel Henry n'y a pas de procès à faite. Ariel Henry. Et Matéli n'y a pas de procès à faite. Et bon, Rafal encore. Martine Moïse, également, non plus. Il n'y a pas de que lumière faite dans le processus. Mais c'est madame, c'est président. Comme nous. Si vous regardez Martine Moïse dans différentes interventions, vous pouvez coller seulement l'encore colombien. Dernièrement, il faut que vous jugez colombien, il faut que vous condamnez, il faut que vous poursuiviez. Il parlait précisément de vous-même. Mais, bon bagaille pour nous pas comprendre, pour nous pas oublier. Ou pas dernièrement là, l'enquête d'action à Biasco, pour te faire là. Avocat Lévin Palé, il dit comme ça que Martine Moïse ordonne pour demander au juge là pour le déporter de la connaissance du dossier. Et que si le juge refuse de se déporter de la connaissance de ce dossier, on se rendra par devant la Cour de cassation dans le cadre du recours en dessaisissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ouais, Martine Moïse lui-même. Ils ont intérêt dans la lenteur dossier. Ils ont intérêt dans le blocage dossier. CSPJ a pris du palier avec le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Qui décision côté Limogé et quelques magistrats? Non, le palier avec. Maintenant, c'est le palier fini. Vous pensez que Colombien ça va libérer? Colombien qui va défendre? On a une question sur vous, c'est une belle question. Et je suis content que vous posez une question ça. Mesdames, levez-moi en l'air, nous tapons la guerre colombienne. Parce que leurs droits fondamentaux sont violés. Parce que ce ne sont pas eux-mêmes qui ont assassiné Jovenel Moïse. Parce que nous-mêmes, dans le cabinet, nous sommes convaincus que c'est les Matéli, les Ariel Henry et autres qui ont assassiné Jovenel Moïse. Parce que nous sommes convaincus que l'on a fait des Colombiens des boucs émissaires. Parce que nous, on que. Et ces maîtres affaires, ces auteurs intellectuels, les gens qui font crime, qui ont caché, et puis pour le diable, qui ont fait Colombie, qui payé pour eux. Nous tapons la guerre, et pas devant justice haïtienne, nous tapons la guerre, non? Ils ont une question de procédure. Là, il faut avoir la maîtrise des règles de la procédure pénale. Là, nous devons aller pour nous donner un jugement. Quel défavorable, pour nous donner une ordonnance. Quel défavorable, quel défavorable, nous tapons. Nous tapons aller par devant la cour d'appel, nous tapons lever arrêt ordonnance là. Quel favorable, quel défavorable. Après ça, si nous voulons aller devant cour de cassation dysfonctionnelle, et puis c'est à partir de ce moment-là, nous tapons aller directement. Ouembaï procédure, nous tapons aller directement devant la commission interaméricaine de Amoun. Et dans le cas où on procède du conseil, il y a la guerre. Yvon Neptune, vous te rappelez, vous êtes arrivé, vous êtes la guerre. Et puis nous avons allé, nous avons lagué Colombien. Parce que vous comprenez bien, la loi dit que c'est pendant 3 mois pour mener une instruction. Or, mais nous avons pratiquement 2 ans là. 2 ans, presque 2 ans. Ça, c'est inacceptable. Moi-même, si nous avons fait justice, si nous avons attendu des gens,
nous n'avons pas de danger pour juger Colombien, si vous êtes si coupable pour condamner, si vous êtes innocent pour la guerre. Voilà. Mais ce que nous comprenons, c'est là, c'est un dingue qui bloqué procès, bloqué justice là, et puis il a fait des démagogies, il a passé mon entité. Alors je dis que ça intellectuel, donc si grand avocat comme pour Ariel Henry m'a dit comprendre que tu es capable de passer mon entité. Donc c'est ça. Et réponse PAM, réaction par rapport à la question que nous posons. Voilà, déclaration. Maître Maisonneuve qui t'a expliqué que ce n'est pas Colombien qui tuait l'ancien président Jovenel Moïse, défunt Jovenel Moïse, dans la Cali, dans le 5 novembre 7 juillet. Mais là, c'est un Haïtien qui a exécuté monsieur et qui tend un piège pour Colombien qui a été relé pour devenir aidé à exécuter le mandat contre le président. Et puis, après, il y a un piège, il a tout tué le président Jovenel Moïse. Il cite non plusieurs monde, il cite Matéli, il cite Ariel Henry, il cite non Madame Président, Martine Moïse, qui au même c'est monde qui parle de justice faite, qui parle de lumière faite. Sous cause ça, fanatique Joe Canel Journal 9. Nous-mêmes, nous continuons à fouiller, nous avons une formule déjà. Si vous pouvez abonner à la chaîne, ça prend quelques secondes pour faire ça. Cliquez sur subscribe et puis cliquez sur la petite cloche là pour toujours recevoir une notification. Chaque fois, nous partager une nouvelle vidéo avec vous sur page ça. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter. Suivez-nous sur www.journal9.tv et toujours vidéo bagaille 9 pour nous. Na Cash App, Zelle, PayPal pour encourager bel travail information 50p journal 9 à faire dans tout pays. N'a pas camper là avec vidéo ça.